Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps Esprit Martial. Une nouvelle vidéo de notre projet Solidarité Martiale Coronavirus, une vidéo d'entraînement physique pour les arts martiaux tous les matins durant le confinement. Comme ça, vous gardez la forme et vous gardez un peu d'énergie pour la reprise du dojo. Alors, aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que avant de commencer l'entraînement du jour qui portera notamment sur les muscles du dos sans traction, on va voir deux choses importantes. La première, Lionel Froidure accepte de nous donner une interview. Hier, je vous annonçais l'interview de Léo Tamaki. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, directement dessous la vidéo. Voilà. Pareil pour Lionel Froidure, n'hésitez pas à poser vos questions. L'interview portera sur les conseils à un débutant et voilà, comment on peut progresser quand on est débutant. Donc Lionel Froidure, c'est un karatéka, c'est également un pratiquant de Kali Escrima et au-delà de ça, c'est un passionné d'arts martiaux, il a touché à de nombreux arts martiaux. C'est lui qui produit les vidéos de Enter Martial et qui a produit également une plateforme Imaginar TV. Donc voilà, c'est vraiment, il a un travail, il est très ouvert d'esprit, il a vu de nombreuses personnes pratiquer différemment, donc je pense qu'il peut avoir des conseils pour vous. N'hésitez pas à poser une question sur votre problème. Deuxième chose pour aujourd'hui, on a découvert un peu à nos dépens qu'on ne pouvait pas se rendre à un enterrement à plus de 5 personnes. Donc on trouve ça très très triste. Et ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est qu'à la fin de la vidéo sur YouTube, on va mettre un tsuki par personne qui est décédée, un coup de poing, voilà, tous ensemble. Le but est que on va, entre chaque coup de poing, avoir une pensée, juste voilà, un moment où on pense à ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas pu être accompagnées lors des derniers moments. Donc c'est un moment pour penser à eux, penser à leurs proches, sans dire les noms, sans voilà, c'est juste rester concentré. Donc il y a 372 personnes, j'ai découpé à chaque fois en tranches de 50, et ce que je ferai, c'est que tous les 50 coups de poing, je vous donnerai un axe pour améliorer votre coup de poing. Voilà, sur quel axe vous pouvez vous concentrer quand vous faites ce mouvement. Après, chacun l'adaptera comme il le veut, comme il le souhaite à sa pratique. Voilà, donc on va commencer l'entraînement pour le dos tout de suite. Si vous êtes sur Facebook, eh bien, rejoignez-nous sur YouTube sur le lien qu'il y a. Et si vous êtes sur YouTube, c'est bon. Donc, vous êtes tous sur YouTube, vous pouvez mettre un petit like dès maintenant. On attaque avec l'entraînement du dos. Alors, l'entraînement du dos, pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que si vous avez fait l'entraînement cette semaine, vous avez vu qu'on a beaucoup travaillé sur les muscles de la phase antérieure, un peu moins sur les muscles de la phase postérieure, et c'est très important d'équilibrer le travail. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous donner une série d'exercices, et vous allez tous les répéter, le nombre de répétitions que je vais vous dire, et vous prenez 3 minutes de pause entre chacun. D'accord? 3 minutes de pause. Alors, si vraiment vous vous sentez, vous pouvez en prendre que 2 et allonger petit à petit, mais je vous conseille voilà, de prendre 3 minutes, de bien souffler. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment une contraction volontaire. D'accord? Vous allez faire une contraction volontaire, c'est-à-dire que vous allez vraiment visualiser à chaque fois la zone que vous voulez contracter. Donc, je vous ai dit, il y a 4 exercices. Le premier, c'est un exercice qui vient du yoga. C'est un kiné qui faisait aussi du yoga, qui me l'a appris. Il m'a dit il est très très efficace pour justement rectifier la posture des personnes qui ont les épaules un peu trop en avant. Donc vous allez prendre vos poings, vous allez faire ça 20 fois de chaque côté. Vous allez mettre par exemple votre poing droit dans votre main gauche, d'accord? Vous voyez, j'ai les épaules un peu en avant, je pousse fort. Maintenant je rectifie, je viens ici. Je lève et je garde le dos serré derrière. Là, et je continue de pousser. Je viens ici. Je pousse, je pousse, je pousse en serrant les omoplates derrière. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse en serrant les omoplates derrière. Je fais ça 20 fois de chaque côté. Ici, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Voilà. Ça, 20 fois de chaque côté. Ensuite, deuxième exercice. Ceux qui nous suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux le savent. Je l'adore pour le dos. C'est le Superman. Donc, vous allongez à plat ventre et vous allez lever à la fois les jambes et les épaules. Ici, alors je me suis mis dans ce sens pour que vous voyez bien, mais bon, j'ai pas trop de place, je tournerai tout à l'heure au moment de faire l'exercice. Vous venez, vous tendez les bras devant normalement, ici, ici, là, ici, ici. Ah, on voit pas bien.
dans ce sens aussi, comme ça vous voyez bien tout. Voilà, ça c'est pour le deuxième exercice, le Superman. 20 répétitions. Troisième exercice, vous prenez un bâton, un manche à balai, peu m'importe. À genoux, debout, ça n'a aucune importance. Vous venez, vous levez les bras ici. Vous ne rentrez pas la tête de trop, vous ne la sortez pas. Vous restez ici aligné et vous tirez derrière. Le but est de serrer les omoplates. Essayez de bien ressentir vos omoplates. Là. 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 Voilà. Le but, c'est pas de travailler sur la poussée là-haut, c'est vraiment de travailler sur la tirée et vraiment serrer les omoplates de façon volontaire en gardant les bras écartés. Plus vous écartez les bras, plus c'est difficile. N'écartez pas trop, vous allez vous faire mal. Ici, à peu près largeur des épaules, c'est déjà suffisant. Et si vous pouvez écarter un peu plus, c'est pas mal. D'accord ? Mais n'allez pas trop vite, n'allez pas vous blesser. Enfin, dernier exercice. Ici, vous vous allongez. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds. Vous voyez, j'essaye de garder les talons au sol, les pieds pas à plat. Et je lève ici. Vous pouvez éventuellement lever ici. Voilà, pour bien travailler sur la chaîne postérieure. Et là, serrez bien les fesses, c'est important. Donc, je vais faire le premier tour avec vous comme d'habitude. Et puis après, vous pouvez recommencer le tour plusieurs fois. Vous pouvez le faire de 5 à 8 fois. D'accord ? 3 minutes de pause à chaque fois. Donc, on vient ici, main droite dans main gauche. Ici, je tire les épaules derrière, je pousse et... 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, n'hésitez pas à descendre les coudes. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention à ne pas creuser le dos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, vous avez fait vos 20 mouvements. On passe sur le Superman. 20 répétitions également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On passe sur l'attraction. Ici, là, pas les épaules trop en arrière, d'accord. 1, 2, vous voyez les coudes, part pas derrière le bâton. 3, 4, 5, 6. 7. Si vous voulez bien ressentir, n'hésitez pas à maintenir ici. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Hop là, il y a une sonnerie, je vais couper, excusez-moi. Me revoici parmi vous. Ici, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7, 8, 9 et 20. Ok. 3 minutes de pause et vous recommencez. Je vous invite maintenant, du coup, à faire un coup de poing pour chaque personne qui nous a quittés à cause du coronavirus. Alors, vous pouvez être boxeur, vous mettre en garde ici, là, et puis frapper votre coup de poing, comme ça. Vous pouvez être un karatéka, peu importe, ici, ça m'est égal. D'accord ? Moi, je vais vous donner des pistes de travail qui sont les mêmes pour tout le monde. D'accord ? On va commencer. Alors moi, je vais faire... Hop là. Tac. Ici. Alors on va commencer. Je vais vous inviter, moi je vais me mettre ici, hein, mais tranquillement, ici sans contraction. D'accord ? On va essayer d'aller chercher loin. Et souvent le défaut qu'on voit, c'est que la main part et le coude s'ouvre. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, le coude s'ouvre et la main part. Non, le but c'est de rester dans l'axe. Ça c'est quelque chose que les pratiquants d'armes ont beaucoup, parce qu'ils lancent le bras avant de lancer l'arme pour pas se faire taper sur la main ou couper la main. Donc on va essayer de travailler là-dessus. On y va sur les 50 premiers. Donc on peut se mettre là, on peut se mettre là, on peut se mettre là, c'est vous qui voyez. 1, 2, détendu. 3, allez chercher loin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, très détendu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Ok, on va faire le même travail, mais cette fois vous allez varier. Vous allez en faire 2 en bas, 2 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok. Alors moi personnellement je vais descendre un peu sur mes appuis et je vais vous laisser un peu plus de temps à la fin de chaque mouvement maintenant pour bien penser à chaque fois aux personnes qui sont décédées. Je vous rappelle que chaque coup de poing symbolise une personne qui nous a quittés. Donc cette fois on va travailler sur le fait à la fin de mettre la contraction. D'accord ? Je frappe, je suis relâché, je mets la contraction. Vous pouvez vous amuser à garder les différents niveaux où vous pouvez vous amuser à varier. Donc moi je vais descendre un peu sur mes cuisses et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous concentrer sur le souffle. Vraiment bien souffler. Et vous voyez, couper le souffle à la fin de chaque frappe. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire un seul souffle au moins sur deux frappes. On y va. Donc on en est à 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ce qu'on fait, ça vaut si vous êtes là. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bien, j'espère que ça va toujours pour vous. Donc on passe aux 50 suivants. Alors, hop, j'avais pensé pour les 50 suivants, travailler sur le fait de ramener. Parce que souvent, quand on fatigue, ça donne ça, et lui il part, et lui il n'est pas revenu, ce qui fait qu'on est découvert. Donc on va vraiment travailler sur le ramener, le ikite en japonais. Voilà, donc ici, on va commencer là. Et en fait, on va se concentrer plus sur cette main qui va revenir que celle-ci qui part. D'accord ? Allez, on est parti pour 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc, si vous voulez, vous voyez, vous pouvez mettre un peu de hanche. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bien, maintenant on va travailler sur la rotation et le fait de le faire au dernier moment. Donc là je ramène, d'accord, ici je tire, hop, je tourne au dernier moment. Là c'est pareil, je pars, hop, et là je tourne au dernier moment. De cette façon en fait, je fais une petite accélération en contractant tout à la fin. Et ben, ça rajoute en puissance sur mon coup de poing. Donc c'est toujours pareil, si vous êtes ici, hop, et là la rotation vient à la fin. Souvent les boxeurs tournent un peu plus le bras. Les pratiquants, par exemple, comme le MMA, vont moins le tourner par peur d'avoir une clé qui arrive très très vite sur le coude. Donc voilà, ça dépend des pratiquants. Ici, allez, on est reparti, on pense bien à cette rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je ne sais plus compter, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, donc maintenant on en est à un moment où on va frapper plus vite et plus fort. Alors attention s'il vous plaît, pas d'hyperextension, on s'arrête là, d'accord? Je sais pas si vous voyez bien la différence, hyperextension ici, d'accord? On protège son coude. Et on va frapper deux fois et plus rapidement et plus fort à chaque temps, d'accord? Donc on va en faire 25 en commençant avec le poing gauche, 25 en commençant avec le poing droit. Et on en aura fait 300, si je ne me trompe pas, 350. Allez, on commence avec le poing gauche, on en fait 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, on change de poing qui commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. Il nous reste 22 commémorations à faire. Je veux que vous donniez tout, d'accord? Vous donnez tout ce que vous avez. Une frappe, le plus vite possible, le plus fort possible. On respire bien avant. On part sur 22 frappes. 1, 2, 3. Et les 12 dernières, on va laisser plus de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Merci à tous d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas à le mettre sur les réseaux sociaux, qu'un maximum de personnes puissent rendre un dernier hommage à ces personnes qui sont parties. Merci pour eux, merci pour leur famille, merci à vous tous. On vous dit à demain pour la prochaine vidéo du défi, pardon, solidarité coronavirus, solidarité martiale coronavirus. Tchou bye.